démarré depuis 15h. Et juste après un concert de nos amis de Nuits Monica, venu tout spécialement de Nice. Alors les premiers à se présenter, c'est la baignoire numéro 16. Ce sont les tourments de la vallée merveilleuse de l'Astéron. Astéron Way. Nice à Nice. Alors on peut les applaudir bien fort, là nous allons aller vous se dérouler. La deuxième baignoire va se mettre en place. C'est les vainqueurs de 2014, ils portent la baignoire numéro 7, c'est l'équipage de Mystique. Les troisièmes à se mettre à l'eau sont des habitués de la Coupe de Baignoire, c'est le magasin Prune et Pierre, et on peut voir qu'ils ont mis les bouchées doubles pour nous présenter aujourd'hui une baignoire ovni. On peut les applaudir, Prune et Pierre, numéro 3. Hop là, j'ai halluciné, en plus ça flotte. Alors ça c'est les empêcheurs de tout. Les quatrièmes qui se présentent devant le plan d'eau sont les recordman de la baignoire coulée. Aujourd'hui ils viennent avec une mi-baleine, tout droit venu de Saint-Cana, les Fayavans. Alors se présente maintenant à la mise à l'eau le restaurant Le Béné, qui est aussi sur les habitudes de la première heure. Ils ont le numéro 13, ce sont les Vikings, les pirates de cette année. Numéro 13! On peut les applaudir, on va voir si ça tient le coup. Ils n'ont pas testé leur baignoire. Alors pas testé! Voilà, Speed Auto se présente maintenant, ils sont pressés, ils sont chauds bouillants. Speed Auto porte le numéro 17. Voilà, on peut les applaudir, Speed Auto. Alors que la baignoire du bénévole. Du bénévole. Alors se présente maintenant à la mise à l'eau le fameux Barba Papa. Barba Papa. Ils sont plus qu'habitués de la course. Ils ont le numéro 1. On peut les applaudir encore. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour la Société des Joutes Ciotadelles, les Tardères aux Ciotadelles. Allez les petits, arrive maintenant la numéro 5, le maximum de bruit pour les Camino Boulegas. Et une pensée toute particulière à notre ami Louguit. Alors eux aussi sont pressés, ils étaient là les premières années, un départ mythique de la Ciotat, ils ont le numéro 18, le bar Le Palmier. C'est un moment particulier, c'est la baignoire numéro 11, la baignoire de l'association Ciotatium. Et du bar au central. On a combiné les équipes cette année. Ciotatiumo et au central. Une baignoire tout spécialement dédicacée à notre ami Garen. On va voir si la carotte flotte. Un grand caillou de chez Garen. Se présente maintenant pour la mise à l'eau. Il me semble que c'est Poly Chinook. Allez, un maximum d'applaudissements pour Poly Chinook. Il y a une photo. Attends, il y a une photo là. Si, si, on est où? On est là. Là-bas, où là? La prochaine baignoire, c'est celle de Glisse pour tous. Ouais. Allez, maximum de bruit pour Johnny Hallyday et les filles. Allez. Alors, la baignoire numéro 4, Glisse pour tous, avec Paris Toupette. Qui a toujours été placé dans le passé, mais qui n'a jamais gagné, qui risque de gagner aujourd'hui. Attention, attention, ça flotte, donc c'est bien. La prochaine mise à l'eau, la baignoire du Pitchouli numéro 9. Faites du bruit pour le Pitchouli. Alors, la mise à l'eau a été effectuée. Pour le moment, ça flotte. Il a fait au dernier moment, Francis, la baignoire du Pitchouli. Fidèle parmi les fidèles depuis le début de la course de baignoire, le restaurant Le Pitchounet. Regarde, ton c'est quoi, c'est Cacato West, c'est...
qui remplace Adam Santé, l'équipage est le même. La finale numéro 2, Aboukaria 13, il engage. Massacre à la tronçonneuse. À la tronçonneuse. Tronçonneuse. Alors ils vont se remettre à l'eau. C'est le bar Le Palmier. Il n'y a plus de palmier, mais le bar est toujours là. L'intention est à son comble. Pour le temps, ça a l'air d'aller. Alors que le palmier gite. Les cloques. Et ils vont prendre le départ. Ou pas. Défaite de masque. Alors on va demander à nos amis du palmier s'ils sont prêts pour la course ou pas. A priori non, ils vont la faire à la nage je pense. Alors apparemment il y a un concurrent qui s'est incrusté là, dans la ligne de départ là. Un concurrent de l'Eden qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Le numéro 10 sera représenté par Serena, le capitaine tout seul.